Bonjour et bienvenue pour les chroniques de technique. Aujourd'hui, je vous fais une petite invitation, dans le fond. Là, vous voyez background là, Diablo 2, le Resurrect. J'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps. Mon but, c'était de jouer un petit peu à Diablo. On sait que Diablo 4, on va avoir la bêta. Je crois que ça commence ce soir. Puis, on l'a pour la fin de semaine, fait que ceux qui l'ont pré-acheté déjà, on va avoir accès à la bêta en fin de semaine. Puis, la fin de semaine prochaine, on va avoir accès à la bêta, là. Je pense que c'est même ceux qui l'ont pas pré-acheté. Donc, c'est carrément une invitation là, que je vous fais. J'ai entendu parler comme quoi il va avoir des boss, de quoi d'assez gros. Il faut être à peu près une quinzaine dessus. Moi, mon groupe, on est, je crois, 6, peut-être 8. Fait que je compte quasiment la moitié là, avec ma gang. Puis, ben, s'il faut être 15 et plus, dépendamment, je sais pas. J'ai vraiment hâte de voir ce soir. Ben, je vous fais l'invitation, dans le fond. C'est pas compliqué, juste à m'envoyer un message là, en privé. Puis je vais pouvoir vous envoyer le lien de mon Discord. J'ai arrangé les channels là, pour qu'on puisse être capable de jaser ensemble. On va faire un petit groupe. On va essayer dans le fond d'aller faire là, les boss. Gênez-vous pas pour farmer de votre côté, monter de vos bonhommes, arriver avec de quoi là, qui a de l'allure. Puis on va essayer ça. Dans le fond, c'est vraiment une invitation pour là, mais. Pour toujours, là, dans le fond, là. C'est juste la bêta pour l'instant, mais au mois de juin, quand il va sortir là, le jeu, on va être capable de se rejoindre encore là-dessus, parce que c'est important d'être une gang. On est pas mal là, toujours un peu tout seul, chacun de notre bord. Puis je vais essayer de vous rassembler là, toute la gang ensemble, qu'on ait du fun. C'est ça mon but là, aujourd'hui. J'avais acheté Diablo 2 pour faire une petite pratique dans le fond là, pour m'amuser. Diablo 2 quand il avait sorti, j'avais pas eu le temps de jouer le nécromancien. C'en est pas un que j'avais joué. Donc j'allais m'en faire un. Je l'ai monté, il est quoi, 45 je pense. On va aller voir 46 maintenant. C'est sûr, c'est pas la même chose. Hein? La logistique du jeu est quand même la même. On s'en va tuer des mobs. Le nécro, là, moi j'en fais un version summoner. J'aime beaucoup quand tu peux avoir des minions pour faire la job à ta place. C'est plutôt tanky. Comme bonhomme, t'envoies tout ton petit artillerie. Il manque ceux-là. J'en avais-tu trois? J'en avais trois. Fait que ça fait un gros groupe, quand même. Sur le Diablo 4, il n'y avait pas l'air d'avoir le nécro pour l'instant. Les trois classes qu'on allait pouvoir expérimenter, je pense que c'était là. C'est un mage ou une sorcière ou un peu des deux ou je sais pas trop quoi. Puis peut-être un Demon Hunter un peu dans ce style-là. Ou il doit avoir un tank quelque part, je peux pas croire. Fait que. Colin, hein? Hein? La petite paire de gants drette en partant. Écoute, j'ai rien fait. Et voilà. Quand même assez bon. Fait que pour le Diablo 2, on est allé se pratiquer un petit peu là-dessus. Pour le package que j'avais acheté de Diablo 2 Resurrect, il venait avec le Diablo 3, puis le Nécromancien. Je viens tout juste de le partir. Juste pour le fun, aller s'amuser un petit peu là. On se met dans le beat là, de Diablo. M'amuser un petit peu là-dessus.
Je viens de le commencer. Le 2, je l'avais joué quand même pas mal. C'était plus long que dans mes souvenirs à monter. Je pensais que dans ma tête, le Diablo 2, tu pouvais commencer au début, enligner toutes les quêtes, puis pas arrêter. Mais au final, t'es obligé de t'arrêter un petit peu, puis d'aller farmer. Hey, ils ont changé de quoi? Il me semble, le nécro, là. Tu commençais pas avec ça. Je vais aller m'amuser là-dessus un peu. Puis c'est vraiment en attendant là, ce soir le Diablo 4. Ça, j'ai vraiment hâte. Ça va être le fun. Je pense qu'il l'annonçait pour 7 heures ce soir. Je vais essayer de coucher ma petite famille vite ce soir. Je vais dire, ah, on va être prêt pour la fin de semaine. Avec dodo de bonne heure à soir. Parce que papa, il va jouer au Xbox. C'est sûr, ça faut pas que je lui dise parce que va avoir de la misère à se coucher. Voyons, ouais, colique. J'essaye de rester dans le puits. Mais ouais, fait que comme je disais, je fais une petite invitation là, à des joueurs solo. Si vous avez votre gang, tant mieux. Ça va juste aider à remplir le groupe. Parce que Diablo 4, c'est ça que j'ai entendu dire, comme quoi on allait devoir être en groupe. Moi, j'ai déjà une gang là. Je sais pas si on va tout être là, tout le monde ensemble ce soir en même temps. On va essayer de se réunir le plus possible. Puis justement, pour combler là, le manque de monde. Parce que ça, j'ai entendu dire que les boss, ça pouvait se combattre jusqu'à 15 players. Puis que ça allait être assez important d'être les 15 ensemble. Fait que je sais pas s'il y en a qui ont joué à Diablo Immortal. Moi, je l'ai essayé quand il a sorti. Puis celui-là, c'était vraiment. Une petite parenthèse. C'était vraiment important quand il a sorti de commencer dès le début. Puis de faire toutes les daily quests. C'est un jeu téléphone. Puis on jouait sur téléphone. Moi, je m'étais plugé une manette sur mon téléphone. Il se jouait sur ordinateur. Sur PC. Mais j'ai pas. Moi, j'ai pas le PC. Moi, j'étais un gars console. Puis ben Diablo 4, c'est vraiment le fun qu'il soit crossplay comme ça. Fait que ça va réunir encore plus de monde. Puis. C'est ce qui me donnait un peu la vibe, dans le fond, du Diablo Immortal. L'aspect open world, où ce que on doit se rassembler toute la gang pour aller fighter des boss. On va sûrement avoir des clans. Donc, si vous voulez faire partie de mon clan, moi j'ai déjà ma petite gang. Amenez la vôtre en même temps. Envoyez-moi un message privé sur mon Twitch. Puis je vais réussir à vous connecter là. On va se parler, puis on va tous se rejoindre sur mon Discord. Puis quand ça va être le temps d'aller faire des boss, on va pouvoir faire ça tout le monde ensemble. J'ai toujours été pris là, à essayer de me trouver un clan, puis c'est dur à trouver. C'est pas toujours évident d'être 8 personnes en même temps, au même moment. La quête, quand on voulait la faire sur Diablo Immortal, là on essayait de chatter au travers du clan, puis trouver du monde pour faire partie de notre gang, aller faire des boss, puis ça c'était compliqué. Fait que je vais essayer de rendre ça, cet aspect-là, plus simple. Fait que envoyez-moi un petit message, puis on va se rejoindre tout le monde ensemble. On va essayer de tomber dans les mêmes heures, puis. Je vais probablement m'organiser pour créer plusieurs groupes à plusieurs heures. Ce qui est important pour la bêta, dans le fond, je pense qu'il va y avoir deux boss par jour. Donc, si on va être capable de les faire, faut être assez de monde. Puis, c'est comme ça là, qu'on va réussir à avoir les items là, légendaires ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui va sortir de là. Mais vraiment, là, j'ai hâte de voir ça. Fait que c'est une invitation à tous. Gênez-vous pas pour m'envoyer un petit message, puis
On va se reparler. Fait que c'est tout pour ça. En attendant, on va aller s'amuser à Diablo 3. Fait que bonne journée à tous, puis on se revoit bientôt. Salut.